quoi? N'est pas à la vente. Ce, ah oui. Ça, ce sont des 10 grammes. Enfin, c'est pas bien. On n'aime pas du tout. Le La spécificité de la production française, c'est que ce sont des poissons qui ont commencé à être élevés donc il y a plus de 30 ans et qu'en France, on a été les premiers à faire du caviar à partir des sturgeons sibériens. C'est-à-dire que ce savoir-faire, il est historique et aujourd'hui, la France est le pays qui a le plus de recul par rapport à des productions de caviar issues d'aquaculture. Sans commentaire. Il n'y a pas eu d'école. En fin de compte, on s'est formé sur le tas, parce que moi, quand je suis arrivé ici, c'était uniquement une pisciculture qui faisait la chair des sturgeons. Et donc, il y a eu un problème d'étude de marché sur le coût de la chair. Et donc, on a dit, les sturgeons fait des œufs, fait du caviar, donc on se lance dans le caviar. Et donc, ça a été par des essais, à goûter, voilà, à essayer plusieurs fois, et après définir notre propre salage, notre propre caviar. C'est un produit qui, au départ, à la récolte, a des goûts plutôt ou des saveurs plutôt légères. On parle de beurre, de farine, de quelque chose parfois d'un peu gras. Et puis plus le caviar, le produit donc, va s'affiner ou vieillir dans son contenant, plus les saveurs vont avoir tendance à se renforcer. Et au bout de 8 à 10 mois, on arrivera sur des saveurs qui sont assez comparables à celles que le consommateur de caviar de la mer Caspienne peut avoir encore dans l'esprit. À gauche, en bas de compte, voilà, vous avez ce qui va devenir rare de perlita, qui fait 4 mm de diamètre, et le perlita qui fait, celui-là, fait 2,6. Voilà, donc ça représente à peu près entre 1 et 3% de notre production annuelle, le rare. Donc, il a... Alors, celui-là, tu mets dans le 15, et c'est l'autre en dessous, tu mets dans le 15. On abat environ 5000 femelles par an, ce qui nous donne environ 3 tonnes de caviar actuellement.
On retrouve aujourd'hui le caviar d'Aquitaine et celui de l'Esturgeonnière en particulier. On le retrouve à Tokyo, on le retrouve à Singapour, on le trouve à Hong Kong, on le trouve à Macao, on le trouve aux États-Unis, donc à New York et la plupart des villes de la côte est des États-Unis, puisque notre distributeur est très présent de Chicago jusqu'à Washington. On trouve le caviar en Amérique du Sud également, on le trouve en Afrique du Sud et dans la plupart des capitales européennes. Enfin, pour que les 30 premières secondes, le sel soit dissous complètement au contact des œufs. On est en perpétuelle recherche, on fait des essais assez souvent, des tests de salage, des tests de solidité. Vous êtes proche de... Oh, j'ai donné un...